Bonjour à tous et bienvenue sur ce stream. On va commencer tout doucement. Alors aujourd'hui, on va parler d'accessibilité en web design et comment rendre un site accessible. Juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on est tous issus du coup de la Wildcat School. On va se présenter un petit peu après. La Wildcat School, c'est une école qui propose des formations en métier de tech dans quatre domaines que vous voyez sur l'écran. On a 6 campus en France et un campus à distance. Et on a 2 cursus, donc bootcamp en 5 mois pour les débutants et alternance en 15 mois pour les initiés. Donc aujourd'hui, on va donc vous parler d'accessibilité en web design. Donc moi, je suis Fanny, je suis social media manager à la Wildcat School et je suis bien accompagnée aujourd'hui. Je suis avec Clara et Gaïac qui travaillent aussi à la Wildcat School. Je vous laisse vous présenter. Moi, je suis Clara, donc je suis formatrice web design à la Wildcat School depuis à peu près un an maintenant. Je suis sur l'enseignement bootcamp 5 mois web design à la Wildcat School. Bonjour à tous, moi, Yann, je suis formateur UX UI design sur le format en alternance, donc sur un an à la Wild, et ça fait un an donc j'ai rejoint la Wild, et avant j'étais UX UI designer. Et donc aujourd'hui, parmi vous, pour parler effectivement de l'accessibilité. Merci à tous les deux d'être là. Je voulais vous partager une petite nouvelle qui m'a un peu surprise, que j'ai vue l'autre jour. Désormais, le non-respect de l'accessibilité sur les sites administratifs est passible de sanctions jusqu'à 50 000 euros d'amende. Donc, c'est quand même assez conséquent. Ça a été mis en place depuis le 1er janvier. Et donc, je trouvais ça intéressant aujourd'hui de parler de cet enjeu qui est de plus en plus important, et de se sensibiliser un petit peu à l'accessibilité, comment on peut la mettre en place. Gaïac, pour commencer, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est un enjeu qui est assez visibilisé, et en tant qu'acteur du coup du domaine de la tech, toi, est-ce que tu ressens un petit peu l'inclusivité sur les sites du service public? Est-ce qu'on est face plutôt à une fracture numérique? Fracture numérique existe, mais c'est vrai que depuis ces dernières années, il y a quand même une tendance à... Ah, et justement, le gouvernement travaille en ça de façon assez active. Il y a pas mal de nouvelles lois qui sont sorties déjà dans ce début d'année, l'année dernière aussi. Donc, au niveau de l'actualité légale, ça bouge pas mal. Comme tu l'as mentionné, le plafond des amendes a été augmenté, puisque je crois qu'on était à 20 000, c'est passé à 50 000. Je pense que c'est pour faire prendre conscience aux entreprises qu'il y a un vrai risque et... Donc, il y a quand même des efforts qui sont mis en place au niveau du service public pour rendre accessibles les produits numériques. Et pourquoi on parle de fracture numérique? Parce que du coup, aujourd'hui, tout se digitalise. Hein, toutes les démarches administratives aujourd'hui sont faites en digital. Donc, quelqu'un qui ne peut pas accéder à ce service se retrouve isolé. Et donc, l'inclusivité, ça va justement être un principe... plutôt noble, hein, qui va consister à travailler en sorte qu'on puisse permettre l'accès à tout le monde, que ce soit pour des handicaps physiques, cognitifs, ou alors même pour d'autres paramètres qui peuvent faire en sorte que ça peut être plus compliqué pour certaines personnes qui sont plus seniors, ou alors dans certaines conditions de chargement. Voilà, on en parlera, mais l'accessibilité, c'est un domaine qui ne se limite pas forcément que au handicap auquel on pense tout de suite. Il y a une montée en sensibilité, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu de gros cas et d'exemples de grosses amendes qui sont encore tombées. Mais en tout cas, le gouvernement travaille en tout cas sur le dispositif légal pour accélérer les choses. Et tant mieux d'ailleurs. On a Meomaki qui nous dit 50 000 euros du coup en cas de non-conformité et possibilité de reprendre 50 000 euros d'amende si ce n'est pas réglé dans les 6 mois. Merci pour la petite précision. La Minirio, j'espère que je dis bien ton pseudo, qui vient de nous rejoindre et qui dit Regaillac, ça doit être un de tes élèves. J'adore la DA du stream, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, Gaïac, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour avoir des sites plus accessibles, plus inclusifs. Et c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu parfois quand on ne connaît pas encore trop la notion d'accessibilité. Dans le chat, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier ou pas? N'hésitez pas à nous dire et on va faire un petit vrai ou faux pour démystifier un petit peu certaines idées reçues. Donc vous pouvez répondre en temps réel dans le chat si vous pensez que c'est vrai ou si vous pensez que c'est faux. On va avoir quatre affirmations
et Clara et Gaïa que nous donnerons les réponses. Mais au maquis, oui, je pense le sujet depuis 2020. Pas mal, il y a un petit historique déjà. Pour les autres, n'hésitez pas à nous dire et on va lancer le vrai ou faux. Donc, un site accessible est un site en noir et blanc. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, selon vous, dans le chat? Et Clara ou Gaïa, que je vous laisserai nous répondre. Alors, on a un non pour l'instant, un faux, deux faux. Ça a évité pour les personnes dyslexiques, c'est faux. Ok, le chat est plutôt unanime. Clara, Gaïa, qui veut nous répondre? Forcément, du coup, la réponse, hein, c'est non. Il y a énormément en fait de réponses. Peut-être que tu voudras étoffer derrière Gaïa. Il y a énormément de raisons en fait pour lesquelles un site accessible en noir, enfin, un site n'est pas accessible justement en noir et blanc. Je pense notamment bah, par rapport aux personnes qui sont atteintes de dégénérescence maculaire, les personnes qui peuvent avoir par exemple des pathologies comme le daltonisme. C'est pas forcément quelque chose qui va être suffisamment contrasté et qui va permettre une bonne accessibilité visuelle également hein, pour les personnes que je considère comme entre guillemets valides, même si j'aime pas justement être clivante dans mes réponses, mais de manière générale ça ne permet pas de visuellement bien s'y retrouver, bien comprendre la hiérarchie des éléments. Parce que du coup, quand on est sur un site web, une hiérarchie des éléments, ça se traduit par plusieurs axes. Par exemple, les tailles de police de caractère, les graisses. On va mettre vraiment des éléments à hiérarchiser pour que la personne comprenne au mieux les ordres de priorité en termes d'information. Mais généralement, par exemple, on va utiliser des couleurs très précises par rapport ben, aux chartes graphiques du site web, mais également au niveau des call to action pour, ben, comme son nom l'indique, appeler à l'action. Donc, si on est sur une charte complètement en noir et blanc, ça risque d'être très, très compliqué et d'avoir beaucoup de mal à comprendre ben, justement où est-ce qu'on veut amener l'utilisateur, vers quoi on veut le faire cliquer. Donc, qu'il soit, entre guillemets, valide ou porteur d'une pathologie. C'est sûr que dans le cas où c'est une personne qui peut avoir une pathologie dite visuelle, c'est sûr que ça ne va pas du tout l'aider en ce sens, quoi. Okay. Oui, je rajouterais juste pour rebondir à ce qui a été dit dans le chat, qu'effectivement, donc il y a des taux de contraste à prendre en compte et que des contrastes trop extrêmes comme très noir et très blanc vont être délicats aussi pour le public qui est en situation de handicap cognitif, donc je pense aux dyslexiques notamment, qui vont avoir des soucis avec des taux de contraste extrêmes. Prochaine affirmation. C'est l'ajout de sous-titres aux vidéos est recommandé pour les personnes malentendantes. Donc, sous-entendu, c'est une pratique qui favorise l'accessibilité. Est-ce que, selon vous, c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai que c'est une pratique qui est de plus en plus commune. Sur les réseaux, la plupart des vidéos aujourd'hui ont des sous-titres. On a un vrai, et même avoir la retranscription à côté, c'est idéal, effectivement. Vrai, c'est bénéfique pour tout le monde. Encore une fois, le chat est plutôt d'accord. Est-ce que, Gaïac, tu veux répondre à cette question, cette affirmation? Oui, alors oui, bien entendu, c'est vrai. Ça va effectivement, et comme l'a dit Minirou, ça peut aussi aider d'autres personnes que le public spécifique en déficience auditive. On peut parler aussi d'audio description, donc le sous-titre va apporter un complément et donner l'information pour ceux qui ont sont en situation de handicap auditif et donc ne pourront pas accéder via l'ouïe. Le sous-titre va leur donner l'accès à l'information. On parle aussi d'audio description. L'audio description, la différence, c'est que vous l'avez peut-être vu sur certaines plateformes de stream, on va compléter en plus des dialogues ou des textes qui sont dits par des informations contextuelles qui vont nous donner des informations supplémentaires pour plonger, pour permettre de ne pas trop rompre l'expérience pour le public, justement, en situation de handicap. Donc oui, c'est bien vrai, ouais. Top. On va passer à l'avant-dernière information. Rendre un site accessible et faire en sorte qu'il soit utilisable facilement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et selon vous, ça correspond à l'idée que vous en faites? On a un vrai, vrai à respecter la 11Y. Alors, je le dis certainement pas de la même manière, mais on en parlera tout à l'heure. C'est un cercle vertueux qui améliore l'UX et également le SEO. C'est vrai selon NeoZero. Oui et non, un site facile d'utilisation n'est pas forcément accessible. Bonne précision. Accessibility.
Clara, est-ce que tu veux nous répondre pour cette affirmation? Ouais, alors c'est vrai que je pense que je serais un petit peu plus en effet mitigée. Je pense pas qu'on puisse dire pleinement vrai ou pleinement faux ici parce que ça, à mon sens, ça prend en compte plusieurs types de paramètres. Mais on va dire que de manière générale, si bah, on veut rendre un site accessible, on essaye de faciliter au mieux bah, l'accès à l'information et on va essayer de prendre en compte le maximum de typologie en fait hein, d'utilisateurs. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard puisque ben, généralement hein, comme le disait un petit peu Gaïa tout à l'heure la prise en compte de enfin l'accessibilité généralement on a tendance à penser que c'est lié généralement au handicap alors qu'en fait la typologie d'utilisateur est beaucoup plus large que ça on va toucher des personnes avec des mœurs différentes, des cultures différentes, donc ça va être vraiment très très particulier. Mais voilà, je sais pas comment dire, je suis assez partagée sur cette partie-là parce que ben si c'est facile d'utilisation, ça va peut-être pas forcément être accessible dans le sens où si pour moi en tant que valide j'ai des accès simplifiés à certaines fonctionnalités de mon site, il est peut-être probable pour que une personne qui peut avoir des handicap, on va dire, peut-être physique, qui peut avoir une maladie de Parkinson ou quelque chose comme ça, ou qui peut avoir comment dire, des problèmes au niveau de ses mains, qui ne peut pas les utiliser à son plein potentiel, ne va pas avoir la même utilisation et le même accès rapide, facile que moi je pourrais avoir, quoi, par exemple. Je sais pas ce que tu en penses, Gaillac. Oui, je pense qu'en fait, tout le truc dans ce débat, c'est le mot facile qui peut être sujet à interprétation. Ce qui est facile pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc justement, pour pouvoir factualiser les choses, on a des normes WCAG RGA qui posent certains critères. Alors, de façon globale, même en UX, de toute façon, notre rôle en tant qu'UX Designer, c'est de faciliter la navigation, car Clara a évoqué plusieurs éléments, donc la hiérarchie visuelle, les contrastes, mais aussi la formulation, la façon dont on va agencer les choses, tous les dispositifs qu'on va proposer doivent effectivement permettre de faciliter l'engagement, que quel que soit le type d'utilisateur, et plus facilement interagir. Et on va arriver aussi à une notion d'utilisabilité, c'est la faculté de l'utilisateur de comprendre comment fonctionne l'interface de façon plus ou moins intuitive. Alors c'est vrai que facilement ça peut être interprété différemment, mais quand on travaille sur l'accessibilité, je le redirai, je pense après, il y a pas mal de choses où on va travailler aussi pour le bien de tout le monde en fait, comme les taux de contraste, la hiérarchie visuelle. Oui, bien sûr, ça va aider pour les publics qui ont des troubles de l'attention ou le public cognitif, mais pour tout le monde aussi. Puisque plus le contenu sera structuré, sera hiérarchisé, plus il sera facile à comprendre, à prendre en main, et donc l'expérience sera bénéfique pour tout le monde. Parfait. C'était une très bonne réponse. Dernière affirmation, je presse un petit peu le pas parce qu'on veut encore vous parler de beaucoup de choses. L'accessibilité, ça concerne uniquement les sites web. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux selon vous dans le chat? C'est la dernière affirmation. Ah, on a un faux en majuscule. Faux. Est-ce que Clara ou Gaillac, vous voulez nous répondre? Ah, évidemment que non. Ouais, si je peux me permettre, du coup, non, l'accessibilité, ça concerne pas que les sites, c'est quelque chose qui se retrouve partout dans l'espace public. Généralement, on parle très souvent hein, d'expérience utilisateur pour le web, mais au final, l'expérience utilisateur, de manière générale, vous la vivez partout, dans n'importe quelle situation. Moi, je pense très souvent au système de l'affordance, donc le fait qu'un objet soit capable d'être facilement interprétable et qu'on comprenne bien comment on va l'utiliser. C'est sûr que justement, bah, dans l'espace public, vous avez généralement des choses qui sont mises en place pour des personnes qui peuvent être à mobilité réduite. On va avoir, par exemple, au niveau des feux de signalisation, des indicateurs en braille pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, des systèmes aussi auditifs pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes pour savoir à quel moment elles vont pouvoir justement traverser une route, des systèmes aussi au sol avec des effets un peu, vous savez,
de traits et des éléments en relief plutôt ronds pour indiquer qu'on va être à une intersection ou en face d'un restaurant ou un autre type d'élément de boutique qui peut être une représentation pour des personnes atteintes d'un potentiel handicap. Donc, au final, la réponse, forcément, c'est non. Ça s'applique partout et dans la vie de tous les jours. Merci pour cette réponse, Clara. Et on va rentrer un petit peu plus dans le sujet. Donc, ce que vous voyez là sur l'écran, c'est issu du site designaccessible.fr. Donc, il y a une checklist. Je vous le mets hop, dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez aller voir en même temps. Donc, en fait, c'est un site qui permet de comprendre un petit peu justement toutes ces situations pratiques et concrètes, mais vraiment axées sur le design. Donc, c'est que un site puisse être utilisé par le plus grand nombre et en particulier les personnes en situation de handicap. Donc sur leur site, on peut lire qu'on peut distinguer les handicaps en deux catégories, donc visibles et invisibles. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vraiment pour simplifier en fait, l'accessibilité quand on la conçoit au moment de créer un design. Donc il y a tout ce qui est visible, ça va être lié à la vue, au handicap physique et moteur, donc c'est handicap qu'on peut voir. Et comme nous dit Méo Maki, 80% des handicaps sont invisibles. Donc, à contrario, les handicaps invisibles, ils vont concerner tout ce qui va être audio. Donc, si on a du mal à entendre ou qu'on est sourd, tout ce qui va être physique, cognitif aussi, avec de la dyslexie, du TDAH, de l'aphasie, et tout ce qui va être lié aussi au support. Par exemple, Clara et Gaïa, est-ce que c'est un sujet qu'aujourd'hui on enseigne en formation de web design? Est-ce qu'on s'y attarde un petit peu ou est-ce que c'est un peu la cerise sur le gâteau, on va dire, si c'est accessible, tant mieux, et sinon, tant pis. Non, c'est un sujet qu'on traite et sur lequel on tient à sensibiliser, hein, parce que plus tôt on le prend en compte dans la conception, mieux c'est. Ce qui peut être compliqué, c'est de ne pas le traiter et puis de tout à tout être en panique, se dire oui, mais on risque finalement, il faut tout revoir. Donc, y penser à la base, c'est plutôt une bonne pratique. Donc, oui, on l'enseigne à la Wild. Alors, autant qu'un autre module, on a aussi des ateliers dessus, même des challenges. On voit différents outils pour mesurer l'accessibilité sur un produit existant. On voit différents outils pour travailler l'accessibilité sur la partie conception, donc notamment dans Figma, comme Spark. Et donc, effectivement, je pense que c'est toutes les personnes qui travaillent dans le digital, pas que l'UX, devraient être sensibilisées à ce point-là, afin qu'on puisse le prendre en compte. Sur la partie que tu disais, handicap visible et invisible, on peut aussi mentionner effectivement que, en fait, tout un chacun peut à un moment donné, se retrouver aussi en situation de handicap. On n'y pense pas forcément, mais par exemple, si je suis en plein été, en plein cagnard et que je suis en vacances et que je ne connais pas la région, j'ai besoin d'aller à un point B, d'un point A, je sors mon portable, je suis complètement ébloui, je vois mal, je ne vois plus rien, je me retrouve dans une situation de handicap. Certaines personnes ont des connexions très lentes ou même dans certains contextes d'entreprise pour des normes de sécurité, les images ne sont pas affichées. Donc, ils se retrouvent aussi, ils ne sont pas en handicap physique, mais ils se retrouvent dans une situation de handicap. Je terminerai avec un dernier petit exemple. Si je suis dans une bibliothèque, que je vais faire des travaux sur une recherche et qu'à un moment donné, il y a une vidéo qui est très intéressante, mais je n'ai pas de casque, je me retrouve aussi dans une situation de handicap parce que je ne peux pas imposer le son à tout le monde, donc je vais devoir le regarder sans son. Et là, les sous-titres vont me permettre d'accéder au contenu à la même manière que quelqu'un qui sera en situation de déficience auditive. Donc, je pense que c'est d'autant plus important, outre le côté légal, déjà pour le côté effectivement éthique, et puis aussi pour le fait que beaucoup de choses sur lesquelles on va travailler vont servir à tout le monde aussi et vont procurer une meilleure expérience au global. Complètement. Pour compléter un petit peu ce que tu disais, Gaïa, quelques chiffres. Aujourd'hui, il y a seulement 3 à 4% des sites qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Une personne sur 5 est en situation justement de handicap. 80% de ces handicaps, comme le disait Méo Maki, sont invisibles. Donc c'est des choses qu'on ne va pas forcément voir dans l'espace public ou auxquelles on ne va pas forcément penser parce que quand on essaye de penser un site, on va surtout penser à l'aspect visuel, donc ce qui est visible
et peut-être un peu moins à tous ces handicaps invisibles. Et aujourd'hui, un chiffre aussi hyper important, 68% d'internautes qui t'incitent en raison d'une mauvaise expérience utilisateur. Là, ça peut aller au-delà d'un handicap, hein. Ça peut être, on arrive, on veut cliquer sur un bouton ou sur le menu et puis on a une pop-up qui s'affiche puis qui nous redirige ailleurs. Mais en tout cas, ça montre bien qu'il y a un vrai problème lié à l'accessibilité sur les sites aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous reproposer un petit vrai ou faux, peut-être en vitesse, parce qu'il nous reste peu de temps. Aujourd'hui, on a plusieurs modes sur le téléphone. On a des modes accessibles. Est-ce que c'est vrai ou faux qu'aujourd'hui, ces modes accessibles sur le téléphone peuvent en fait faire le job à votre place? Et que si on active ces modes-là, bah finalement, un site qui n'est pas accessible peut devenir accessible. C'est quoi un petit peu la nuance entre un designer qui fait un site accessible et le mode accessible sur le téléphone? Je réponds un peu à cette question, hein, pas besoin de faire un site inclusif. Honnêtement, il y a une vanne que je fais souvent avec mes élèves, c'est on peut pas faire de l'or avec de la boue. C'est-à-dire que dès le départ, si le site est pas optimisé, on va dire au maximum, qu'on n'a pas pris en compte certaines normes d'accessibilité et ainsi de suite, c'est sûr que derrière tous les outils qui sont mis en place de manière native, par exemple sur les smartphones ou quoi que ce soit, ne pourront pas pallier pleinement un mauvais développement ou une mauvaise mise en place de normes ou carrément des normes d'accessibilité qui sont inexistantes, hein, sur une application ou sur un site web, hein, application site web, voilà. Mais honnêtement, ouais, c'est pour rebondir un petit peu par rapport à ce que disait Gaïac tout à l'heure, nous, on se doit justement, hein, de faire en sorte d'utiliser des outils dès le départ dans notre conception, et même si on fait un petit peu de développement web, être déjà dans cette dynamique où on va mettre en place le maximum de choses qui peuvent être exploitables derrière par les outils gérés de manière native sur les applications mobiles ou des extensions sur des sites web qui vont, par exemple, pour des personnes non-voyantes ou malvoyantes, faire la lecture du site, interpréter les images, lire la description des images et ainsi de suite. Mais en tout cas, pour nous, en tant que professionnel, c'est sûr qu'on se doit de le faire dès le départ, et c'est vraiment, comme c'était un petit peu indiqué tout à l'heure, ça coûte moins cher, entre guillemets, de prendre ce process dès le départ dans notre conception et dans notre travail, plutôt que de venir sauver les meubles derrière et le rendre accessible parce que, en fait, on a fait la boulette de ne pas l'avoir fait au départ. Pour avoir une idée un petit peu plus visuelle de ce dont tu parlais, Clara, c'est une capture d'écran donc, du site de la SNCF. C'est donc un article de La Chouette. Il y aura tous les liens sur le replay, mais je vous le mets déjà dans le chat si vous voulez aller voir. Donc c'est un article sur Medium qui présentait un petit peu justement le renouveau qu'avait fait la SNCF sur son site pour devenir plus accessible. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais quand vous allez sur le site de la SNCF, vous avez un petit onglet au-dessus « Accessibilité ». Et quand vous cliquez sur cet onglet, vous pouvez en fait adapter le site selon vos handicaps. Donc, il y a un mode police dyslexie. Vous pouvez aussi augmenter l'interligne. Il y a des animations qui peuvent être désactivées. Vous pouvez changer le niveau de contraste et le défilement horizontal. Il peut être désactivé pour avoir un seul mouvement vertical tout au long de la navigation. Donc c'est assez pratique. En revanche, vous pouvez juste consulter les trains, mais vous ne pouvez pas en réserver un avec ce mode. Donc il y a encore des petites optimisations à faire. Mais ce que je vous propose, Clara et Gaïac, justement pour avoir une idée, peut-être pour tous les web designers en formation ou les designers déjà en poste qui nous regardent, et même les développeurs, hein, ça vous sera utile. Est-ce que vous auriez des outils justement à nous conseiller pour avoir un petit peu une boîte à outils pour mettre en place un site accessible? Ouais, alors moi, celui que j'utilise, on va dire, en priorité, c'est Adobe Color, qui est justement donc un outil qui permet de faire des tests de couleurs, mais surtout, en fait, gérer les tests de contraste pour vérifier que, justement, les couleurs soient suffisamment contrastées, hein, pour des personnes, donc,
atteintes de daltonisme, tout ça, mais aussi pour les personnes valides qui, justement, hein, on n'est pas des super-héros, nous aussi, les valides, et on a quand même besoin d'un taux de contraste minimum. Ça, c'est vraiment ce que j'enseigne, on va dire, dans un premier temps à mes élèves. Choisir des couleurs, c'est bien, mais il faut absolument que ça soit adapté pour avoir le meilleur contraste et la meilleure lisibilité possible sur les sites. On a aussi d'autres extensions sur navigateur quand on fait un petit peu de dev et d'intégration avec Lighthouse. C'est vraiment une extension qui est là pour vérifier si toutes les normes sont bien, toutes les normes. Ça reste assez vague, mais les normes d'accessibilité du style, est-ce qu'on a bien mis des attributs alternatifs dans les images pour être sûr que ça soit bien interprété par des extensions qui vont retranscrire d'un point de vue vocal les images pour des personnes non-voyantes ou malvoyantes, ainsi de suite. Voilà, ça fait partie des outils qu'on utilise. Il y a aussi des outils de consortium, W3C, consortium web, qui est là pour veiller à ce que, quand vous codez un petit peu ou que vous faites de l'intégration, les balises que vous utilisez, par exemple, en HTML, soient les plus adaptées et répondent aussi à ces questions d'accessibilité, quoi. Oui, et dans certains outils, ça se développe aussi, par exemple sur Webflow, on note que nativement maintenant, sans utiliser de plugin, on a accès, quand on sélectionne ses couleurs, à une zone de sûreté qui va nous être indiquée avec deux courbes, qui va nous dire dans le spectre, voilà, dans cette zone-là, tu restes accessible, dès que tu sors par rapport à l'élément qui est en dessous, tu ne le sauras plus. Sinon, dans Figma, effectivement, Stark est pas mal, il y en a aussi plein d'autres. Sur les outils front-end, donc qui se chargent sur le navigateur, ce qui est intéressant, et justement, on a des ateliers à la Wild là-dessus pour mettre, c'est qu'on voit qu'en testant avec différents outils, on remonte différentes infos, différentes erreurs. Ils ne remontent pas toutes les mêmes choses, ce qui veut dire que ce n'est pas si simple que ça. Effectivement, donc lancer un rapport avec Lighthouse ou Tanaguru ou Axe DevTool va nous remonter différentes infos. Je rebondis juste aussi sur un petit mot. Même les développeurs, en fait, j'ai envie de dire, ils sont autant concernés que nous, parce que nous, en tant que designer, on a une partie dans la conception, mais il y a toute une partie technique qui est à prendre en compte aussi. Donc, on a parlé des alt text, donc c'est typiquement pas quelque chose qui est présent sur ce qu'on va designer nous, ça va être dans la partie code. Il y a aussi ce qu'on appelle les liens de contournement, si on peut mettre en place dans le code quelque chose qui va permettre au liseur d'écran d'éviter, lorsqu'on a une navigation qui est très profonde, de pouvoir passer comme ça des blocs de contenu pour aller à l'essentiel. Sinon, en voice-over, il faut imaginer que l'expérience que c'est pour quelqu'un qui utilise principalement un lecteur d'écran, eh ben, il va entendre tous les items répétés avant d'arriver à l'information principale, donc un lien de contournement. Il y a aussi toutes les balises ARIA qui sont plus pour le côté dev justement, qui vont permettre justement d'asseoir la robustesse du dispositif, le fait que ça puisse être compatible avec un maximum de périphériques et vont définir pour différents éléments d'interaction le rôle, l'état, l'action. Donc ces balises sont spécifiquement faites en ARIA pour pouvoir rendre les interfaces plus accessibles. Donc autant nous on est bien entendu en tant que designer dans la conception concernée, mais aussi les développeurs dans la mise en place, je pense au front-end, hein, au niveau front, etc. Et effectivement, pour répondre à la question de tout à l'heure, si le travail n'est pas fait, que ce soit au niveau design ou au niveau code, on aura beau mettre un lecteur d'écran, ça ne fonctionnera pas, ou alors ça fonctionnera, mais ça ne provoquera pas une expérience optimale, parce qu'on n'aura pas les liens de contournement, on n'aura pas les halts, ou on aura des halts sur des images qui sont décoratives et qui vont rapporter des éléments parasitants et qui ne vont pas aider. Donc, c'est un travail d'équipe pour le bien-être de tout le monde, je pense. Tout à fait. Et je pense qu'on a des développeurs dans le chat, en tout cas des gens qui font un petit peu de front-end, qui nous disent justement un petit peu des bonnes pratiques à appliquer. Notamment l'attribut alt, il faut le renseigner pour les images informatives et les cédules pour les images décoratives. On peut aussi avoir des liens explicites parce qu'avec les technologies, on peut lister les liens. Et il y a Minerio qui nous dit très simplement faire un tableau avec les balises et pas d'autres balises qui sont moins pratiques. Pour terminer, Clara et Gaïa, qu'est-ce que vous auriez peut-être un outil vraiment... Comme tu le disais, Gaïac, c'est vrai que chaque outil remonte des erreurs différentes et c'est un peu dur de trouver l'outil parfait. Mais est-ce que vous auriez une recommandation ou vraiment un outil
qui peut mettre un point de vigilance sur quelque chose de très très important quand on veut faire quelque chose d'accessible? Ça dépend à quel moment on se trouve. Si on est sur la conception, on va beaucoup. Enfin, Figma est devenu l'outil de référence. Hein. Et donc, moi, je pense à Stark, mais il y en a sûrement d'autres aussi. Et après, en front, Axe DevTool et Tanaguru, je les trouve pas, et Wave, je les trouve pas mal parce qu'il y a des indicateurs visuels qui permettent de voir vraiment où se trouve le problème sur la page. Et oui, Stark, la perle rare, je suis assez d'accord. Donc voilà, après je pense que comme tu l'as dit, c'est une boîte à outils, on peut pas se limiter à une seule chose, mais voilà, on va avoir différents outils si on est dans la partie conception ou si on est dans la partie plus avancée sur un résultat accessible depuis un navigateur en front. Clara, est-ce que Non, Gaïac a tout dit. C'est vrai qu'honnêtement, hein, il vaut mieux plutôt, on va dire, alors, je vais pas dire multiplier à fond les outils, mais en tout cas, il faut se faire une petite boîte à outils pour justement se dire bah, à quel moment on va utiliser quel outil, puisque c'est sûr que par exemple, Adobe Colors, techniquement, comme on a pour but de tester les contrastes et de voir si les couleurs sont adaptées, c'est quelque chose qu'on va faire plutôt en début de process, hein. C'est pas une question qu'on se pose à la toute fin dès qu'on a fini nos maquettes et se dire, ah ben mince, est-ce que je regarde si mes couleurs sont adaptées maintenant et répondent à certaines normes? Donc en fait, c'est l'utilisation de ces outils interviennent à un jalon particulier du projet. Ça peut pas être complètement manichéen à dire, bon ben voilà, tout blanc, tout noir, on va avoir un seul outil de référence. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas véritablement un outil qui est suffisamment complet pour tout couvrir. Donc, c'est sûr qu'on doit vraiment s'aider le maximum de tous les outils, et les outils notamment gratuits qui sont mis à disposition. Peut-être un truc que je rajouterais, et ça, c'est pour prendre, on va dire, un peu de recul par rapport justement, la question des outils, c'est aussi se développer une méthodologie en faisant de la veille, en regardant quelles sont les nouvelles normes qui sont justement prises en compte. Ça aide beaucoup justement pour avoir la meilleure méthodo possible et bien savoir justement en termes de priorité qu'est-ce qu'on gère en premier, qu'est-ce qu'on apporte par la suite, qu'est-ce qu'on va utiliser par exemple pour de l'optimisation. Et c'est vrai que le process de réflexion, il est super important et il ne peut pas ne pas être pris en compte. Il faut vraiment aussi le considérer, on va dire, comme un outil qu'on alimente parce que ça, vis-à-vis des outils changent hein, tout le long de l'année ou de plusieurs années aujourd'hui, hein, comme disait Gaïac, Figma c'est une référence, mais peut-être que ça sera plus le cas dans 3 ans. Donc au final, faut pas qu'on soit non plus dépendant d'un outil, faut aussi juste qu'on ait le process de réflexion et qu'on sache qu'est-ce qui est adapté et vers quoi on doit tendre en fonction des nouvelles normes d'accessibilité qui sont mises en place. Très juste, oui. Clara, voilà. merci pour ces bons conseils. C'est vrai que la veille, c'est primordial, quel que soit le secteur, parce que le secteur de la tech bouge tellement vite que c'est assez important. Et comme dit Meomaki, très bonne conclusion, se former, c'est le meilleur des outils. Exactement. Et très bonne transition, puisque justement, je voulais conclure par ceci. Je voulais vous dire que ce soir, on a un workshop pour ceux qui connaissent déjà un petit peu Figma de nom ou qui ont envie de s'y former. On a un workshop avec Louane, donc, qui va vous présenter comment on peut créer sa première maquette sur Figma. Et vous pourrez suivre ce workshop en ligne. Donc pendant 1 heure, vous pouvez vous inscrire sur notre site si ça vous intéresse. Et en tout cas, je vous remercie Clara et Gaïac pour tous vos conseils, tous vos beaux conseils. Je pense que si ce n'était pas clair avant ce stream, l'accessibilité doit être un peu plus claire maintenant dans les têtes des personnes qui nous regardaient. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des questions pour les prochains échanges, à nous le dire dans le chat. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et un bon appétit si vous n'avez pas déjà mangé. Bon app. Bon appétit, à plus tard.